La radio confère un message de micro. Moi j'ai des questions à poser. Voilà. Voilà, donc c'est la fin de la réunion. Ici, je suis avec le président de Conseil des sages des migrants, M. Sizozeka. Donc, il est là. Je vais lui poser quand même quelques questions. Bonjour, M. Sizozeka. Bonjour, Maman César. Voilà, donc la réunion vient de se terminer. Pouvez-vous nous dire un peu, brièvement, de ce dont vous avez parlé? Bon, comme nous avons l'ordre du jour, je pense qu'il fallait que je me rapproche de... L'ordre du jour. Marcel, donne-moi un peu l'ordre du jour qui était là. Voilà. Donc, nous avons parlé sur quatre points essentiels. Oui. Donc, sur l'approbation d'abord de l'EVE, ça c'est normal dans les rencontres. Point 2, c'est le groupe politique indépendant. Oui. Et puis, il y a la proposition de la gestion de la communauté congolaise par le Conseil des sages, et puis de la formation en citoyenneté. Voilà. Et il y a quelque chose qui peut profiter à la diaspora. Qu'est-ce que vous dites à la diaspora des Congolaises par rapport à la vision du Conseil des sages de migrants? C'est un nom qui est nouveau, les gens demandent quand même qu'ils savaient dire. Pouvez-vous dire quels sont donc les intérêts pour la diaspora? Pour la diaspora congolaise, c'est vraiment très important de penser ou de se rapprocher du Conseil des sages. Parce que nous, on pense qu'il nous faudrait quand même un noyau de réflexion, de concertation pour orienter cette communauté congolaise. Parce que c'est notre base. Ouais. Effectivement, que le Conseil des sages, nous disons que c'est ça des migrants, parce que c'est ouvert à tous. Ouais. Mais c'est d'abord notre base que nous devons construire. Parce que le Conseil est d'origine congolaise. Ouais. Donc, nous considérons vraiment que les Congolais se rapprochent de nous pour notre identité, notre visibilité d'abord dans le pays d'accueil où nous sommes. Afin qu'à la fin, nous puissions nous rapprocher aussi de notre pays d'origine. Mais quels sont donc les rapports de force ou alors l'expertise des conseils des sages des migrants? Qu'est-ce que vraiment vous apportez de plus? Qu'est-ce que nous apportons? Comme le nom le dit, conseil des sages, donc on apporte beaucoup sur la visibilité de la communauté congolaise, sur la stabilité même de la communauté. L'orientation même des actions à mener, beaucoup de conseils pour aider quand même la communauté congolaise à trouver le chemin, à s'ouvrir aussi aux autres. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aussi pour la radio, que nous savons, la radio Amafrica? Vous étiez passé là-bas pour l'interview? Ah oui, oui. Et nous aimons toujours cette radio que nous contactons tout le temps que nous avons besoin. Oui. Et on en fait beaucoup d'émissions, comme nous avons notre... membre aussi, conseil Tissard, Marcel Kanga qui anime une émission chaque semaine. Je pense que comme vous l'avez déjà proposé, on va commencer aussi à animer une émission par mois pour les conseils des sages afin que cette structure soit connue de tout le monde. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, vous merci de Zeka. Bonne journée. C'est moi qui ferai merci surtout, Maman Fais, et surtout merci beaucoup pour ce que vous faites pour la communauté congolaise et les Africains de manière générale. Ah oui, merci beaucoup. Merci. Chers auditeurs, vous voyez, c'est donc Marcel Makanga. Marcel Kanga, le président du conseil de culture du monde et aussi animateur de l'émission Amafrica à votre service. Là, vous le voyez, il est là. Bonsoir, Marcel Kanga. Bonsoir, Maman Fais.
Alors, comment vous allez? Comment? Dites-nous quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau pour Amafrique à votre service? Ou alors que c'est produit à la diaspora congolaise? C'est toujours le boulot qu'on fait chaque jour. Le rôle de la radio Amafrica, c'est sensibiliser. Et aujourd'hui, je crois que on fait aussi la conscientisation. Ouais. Ce qui sera de plus. Aujourd'hui, je crois que la mission de la radio, c'est donner l'information, la vraie information. Ouais. C'est ce qu'on fait, plus la conscientisation. On n'est pas en train de baratiner. Mais le problème, c'est quoi? Ce qui plus divise les Congolais, c'est la méfiance. Parce qu'on n'en a pas confiance. Le jour que chacun de nous se dira aller vers l'autre, il faut des sacrifices, les gens feront ces sacrifices-là. Donner confiance. Mais c'est ce qui m'attriste souvent. Je me dis, mais pourquoi on ne donnerait pas confiance aux Congolais? Mais quand on voit ce qui se passe, les Congolais donnent plutôt confiance aux autres personnes qui à leur propre frère. C'est ce qui m'attriste. Aujourd'hui, je crois que il faut aller dans le sens. Dans ce sens-là, vous venez de parler avec le président. C'est un peu ça la mission aujourd'hui, même du conseil des sages. C'est chercher la confiance, que les gens s'en donnent cette confiance-là, réciproquement, quoi. Pour que les choses puissent avancer. En tout cas, merci à vous, Marcel Tanga. C'est à moi de remercier la radio. Je vais vous retrouver aussi le vendredi prochain. Ok, merci. En tout cas, l'impression que j'ai, c'est positif. Hein? Donc, c'est positif parce que, bon, on a souvent minimisé ou alors dénigré les associations. Et on croit peut-être que les associations, c'est toujours de l'opportunisme et tout ça, mais moi je ne crois pas. Les conseils des sages, les migrants, pour la toute première fois que je passe à la réunion, je me dis quand même le sens de l'organisation et aussi de bons projets, hein, des bons projets pour la diaspora congolaise surtout, et vraiment beaucoup d'innovations que nous allons apporter au travers du conseil des sages des migrants. En tout cas, pour la première fois, donc, je vois que non, c'est bon, ce sont des bonnes choses qui se sont discutées au sérieux. Hein, donc je suis là en Belgique. Voilà, je suis venue uniquement pour représenter aussi l'ouverture africaine à Amafrica World. Voilà. Et concernant Amafrica World, il y a des projets pour l'avenir, il y a encore des choses que vous préparez. Je ne sais pas, les auditeurs sont là. Ils veulent aussi savoir projets, on a des conférences en vue et on a aussi des tournois à faire aussi en Afrique, mais en tout cas en particulier premièrement en République démocratique du Congo. Et voilà, donc je pense que c'est plus on travaille d'abord à Afrique, on travaille d'abord sur le domaine de la sensibilisation, la conscientisation. Donc ces domaines là parce que vous savez, quand déjà on a conscience de quelque chose, on peut mieux se lancer dans des actions pouvant avoir des résultats positifs. Mais lorsqu'on n'a pas la conscience de ce dont on fait, on risque d'affronter, comme on dit, d'une souris. Alors voilà, nous ne le voulons pas. Donc pour le moment, l'Afrique en tout cas milite sur le domaine de la prise de conscience patriotique et la conscience de l'intégration des pays que nous sommes ici, les pays d'accueil, qu'est-ce qui nous attend de nous. Donc il y en a pas mal de choses que nous sommes en train de faire. Mais le reste, suivez notre média, www.amafricaworld.net. C'est là que vous allez quand même avoir plus d'informations supplémentaires. Et vous avez des horaires à donner concernant les émissions? Oui, concernant les émissions, ça c'est une question aussi que beaucoup de gens me demandent souvent, pourquoi on ne dispose pas les programmes de Hub Africa pour qu'on sache simplement. Mais voilà, je profite de l'occasion de la question. Donc, de toute la semaine, normalement, notre radio est toujours active. La radio TV, c'est une radio TV qui est plus active et captée via l'Internet. Pour le moment, j'ai dit bien pour le moment. Donc, vous voyez, chaque lundi, par exemple, nous avons eu un pasteur de 18h30 à 20h qui fait son émission Espérance contre toute espérance, mais qui, apparemment, il est pris vraiment dans le... grandes organisations dans son ministère, il est pasteur, il est trop absent maintenant, mais en tout cas, le lundi, il y a une émission, c'était lui qui avait pris cette journée, et mardi, tous les mardis, normalement, à partir des 20h30, nous avons la Bible, parlons-en d'une prédicatrice, jeune femme aussi, Lisette Ponza, et nous avons aussi, le mercredi, c'est mon jour, donc moi, maman fait ça, je passe tous les mercredis à partir des 20h,
hors de Paris, hors de Cologne, comme on dit. Donc, je fais l'effet de la conscience. Et bien, le jeudi, sans oublier le jeudi, normalement, vous savez, à 20h, vous avez Nelly Delanche qui fait son émission Les Femmes en Parlent, ou Massolo Yabassi. Actuellement, elle est un peu pris dans l'ordinance d'occupation. Donc, dès qu'elle sera là, vous ne manquerez pas de suivre votre émission de jeudi soir à 20h en direct de la Radio Africa. Et bien, le vendredi, bien entendu, vous savez, vendredi 20h15, nous avons Marcel Kanga, Am Africa à votre service. Ça, c'est une émission en forme de dialogue citoyen. Il apprend de tout ce qui concerne l'intégration, le développement et bien entendu la crise sociale et tout ça là. Marcel Kanga parle un peu de mélange un peu de trucs. Hein. Et c'est une émission qui aussi se met à la disposition de nos auditeurs. Donc voilà. Et le samedi, enfin, le vendredi aussi, normalement, après juste tout juste après Am Africa à votre service, il a l'autopsie du look de Madame Mugasien Kapema. C'est aussi une femme qui a son ministère, qui voyage beaucoup actuellement, surtout en Kinshasa. Donc, à cause de toutes ces occupations, par moment, elle n'est pas tout le temps là, dans les émissions. Mais on tâchera toujours à vous rebalancer pendant les diffusions de ces émissions. Il y a aussi le samedi. Le samedi, normalement, c'est un jour où on ne fait pas des émissions parce que par moment, il y a des invitations. Il y a... Comme aujourd'hui, on est samedi, je suis là ici en Égypte pour la région de Conseil de Vivant. Mais n'oubliez pas que bon, les samedis aussi, il y a des fêtes aussi par moment. Mais ça peut aussi se faire qu'on a une invité spéciale qui choisira le jour du samedi. Ben, là, on peut, c'est ça qui est fait pour ça. Bon, les dimanches, maintenant c'est un peu chaud sur Am Africa. Le dimanche, à partir de 16h, là je suis en train de vous informer déjà, à partir de 16h, hein, top chrono, 16h, en direct de Am Africa World, peut-être aussi 17h, hein, on verra pour pousser un peu l'heure, le 17h. Nous aurons encore une nouvelle émission culturelle et l'invité ou l'animateur du jour, vous allez le voir parce qu'on va le recevoir ce dimanche à 16h. Il sera là sur Am Africa, vous allez le voir. Et nous avons aussi à 18h30, c'est Charles Baba, c'est notre secrétaire de l'organisation africaine Am Africa World. Lui anime Patrimoine culturel. Et après, directement à 20h, nous avons le prophète Mahou, Gaston Mahou, qui nous parle de l'histoire de Jésus qui était noir. C'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau vraiment. Bon, Am Africa mélange un peu de tout, tout ce qui est important, qui intéresse à une catégorie de personnes. On nous amène pour la prise de conscience. Donc, toutes nos émissions, ça va plus dans le sens de la prise de conscience. Donc, en d'autres termes. Donc, il y a aussi des débats politiques. Les débats politiques, ça c'est vraiment c'est ça qui prend plus de place sur Am Africa en tout cas. Les débats politiques, c'est là dépend du jour. Ça peut être en lundi, c'est là dépend du sujet d'actualité. Si l'actualité, le sujet fait vraiment débat, eh bien Am Africa aussi le saisit pour parler à sa manière. Et c'est toujours dans la ligne de amour, conscience et réparation. Donc ça c'est ce que nous faisons souvent. Et vous invitez aussi les politiques en direct et comment les gens peuvent aussi accéder à la radio. Pour accéder à la radio, c'est via internet, vous tapez www.amafricaworld.net et là vous êtes directement à la radio. Bon, les invitations ou le débat. Et participer à l'émission, comment il faut faire? Pour participer à l'émission, merci de m'aider un peu pour ces questions parce qu'on oublie souvent. Pour participer à l'émission, soit vous passez la demande sur le Skype, le pseudo Skype de Am Africa World, c'est Am Africa World, le tout en un mot. Donc il faut avoir déjà un compte Skype. Un compte Skype si vous voulez participer à l'émission, être vraiment en direct avec nous et dire quelque chose, vous poser des questions. Mais aussi, il y a les téléphones de la radio, hein, c'est-à-dire à partir de chez vous, vous êtes à la maison, vous n'avez pas les Skype, vous n'avez pas le temps d'ouvrir les Skype et tout ça là, vous appelez les numéros 0049 24 21. 76 ou 76 pour le belge, 04 991 pour le belge ou 991. Voilà, ça c'est le numéro de la radio TV Am Africa World en direct. Voilà. Merci. Merci à vous aussi. Bye bye. Mama,
silobina kozonga Mayama Mobembo ezali ndeli watemo Totika bamboka mosika Tukende koluka bomoima Tokoma mitele ngano Namboka mopaya Nani ya sunga yo Pasi na pasi ye Kakei Kasi lobi na kozonga Atandele o Mopembo Tezali ndeli wate o Kakei Kasi lobi na kozonga Bakoyanga bakoyambanga Mopembo Tezali ndeli wate o Kozonga boka Kakei Kasi lobi na kozonga Aye bayama Mopembo Tezali ndeli wate o Atandele o Tokozonga Kinshasa Pasyo yo elekie ninyo polo Buka ya mupaya pasi baninga Atandele tokozonga Kinshasa Pempenya bayeba Ndakayo Atandele Tokozonga mboka o Okababo tabiso Atande Kakei Kasi lobi na kozonga Na kozonga Mopembo Ezali ndeli wate o Baninga Kakei Kasi lobi na kozonga Zali seloko yangonga Mopembo Ezali ndeli wate o Lobi tokozonga mboka Kakei Kasi lobi na kozonga Lobi tokozonga Mopembo Ezali ndeli wate Kasi lobi na kozonga Mopembo Ezali ndeli wate o Kakei Kasi lobi na kozonga Kinshasa mame Mopembo Ezali ndeli wate o Kakei Kasi lobi na kozonga Mopembo Ezali ndeli wate o Kakei Kasi lobi na kozonga Ezali ndeli wate o, na kozonga na kongo.